ne t'ai pas vu au Parlement. Qu'est-ce que tu veux? Le gros. Je veux dire, le président m'a ordonné de venir t'arrêter. Je voulais t'en prévenir. Et te dire aussi que je n'en ferai rien, bien sûr. Je suis un militaire avant tout. Je ne tiens pas à rentrer dans un conflit de politiciens. Ce sont tes hommes qui sont en train d'encercler la maison? Mesure de sécurité. Je ne suis pas en état d'arrestation, mais la résidence du Premier ministre est encerclée. Je tiens seulement à assurer ta sécurité, Patrice. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient ta peau. Entre ceux qui veulent ma peau et ceux qui me veulent du bien, je ne sais plus qui je dois redouter le plus. Je demande de retirer ces hommes. Tu me le demandes ou tu me l'ordonnes? Je te l'ordonne! Si j'écoute Cassin, tu n'es plus Premier ministre. Si je t'écoute, Cassin n'est plus président. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je te connais. Tu n'as pas pris cette décision tout seul. Qui est derrière toi? Qui? Pour sortir de l'impasse, l'armée congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État, M. Kassavubu, ainsi que le Premier ministre, M. Lumumba. Il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, mais d'une simple révolution pacifique. Il y aura-t-il des élections libres? Ça vous l'armée bien Aucun militaire ne prendra le pouvoir. Aucun. C'est un coup d'État. Je vous répète, ce n'est pas un coup d'État. Les Américains ont tout ça. Mais une simple révolution pacifique. Nous allons faire appel à tous les techniciens congolais neutres et aux techniciens étrangers choisis par nous-mêmes pour sauver le pays du chaos. Vive le général Mobutu ! Et là, pas trop vite. Pouvez-vous nous dire où se trouve Lumumba ? Vive le corps des bêtes ! Lumumba sera-t-il jugé ?